Hello! Lundi matin, il fait chaud là! Wouh! Allez, on est en forme. Mais en plus, c'est vrai, on est en forme alors qu'il est que 5h du matin. Je suis réveillé depuis une heure. Où c'est qu'on va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va à Nouhans-le-Fuselier. Et où ça, Nouhans-le-Fuselier? Très bonne question, Régis. Nouhans-le-Fuselier, c'est en gros au sud d'Orléans. Je peux pas vous donner plus de précisions, hein, avec la carte qui est là, c'est suffisant. D'où qui sort ce nom là? Nouhans-le-Fuselier. En fait, la zone de Nouhans-le-Fuselier est légèrement malaisante. T'as plein de bâtiments, tu sais pas s'ils sont abandonnés, s'ils sont habités. Des fois, tu vois quelqu'un qui te regarde à travers une fenêtre. Dans un bâtiment, tu croirais abandonné. Tu demandes si cette personne et c'est pas un esprit ou quoi que ce soit. Et j'y traînerai pas la nuit, c'est pas un coin que je garderai pour stationner. Non, c'est mort. Donc pour être long à décharger, ils m'ont dit à peu près une demi-heure. Et puis après, on va remonter tranquillement au Havre. En tout cas, c'est ce qui est prévu. C'est incroyable, c'est fou, c'est fou, on sait pas tout. Je fais juste le tour du châssis. C'est le bruit des cavaliers, je le fais vachement bien. Ne me jugez pas. J'ai eu le temps de rien, incroyable. Il me reste 9 minutes à rouler. Bon bah on va faire 30 minutes de pause. Demain, dans le 14. Ouh, dis donc, faut traverser la Seine quand même, hein. C'est pour rien. Hein. Vous avez vu, moitié dans l'ombre, moitié dans la lumière. Oh, c'est chiant, bordel. Une journée qui se termine bien, comme le reste de la journée. Pas mal de rencontres aujourd'hui, jusqu'à la fin, les motards, et puis même après les motards, le voisin de parking avec qui j'ai parlé un petit peu. Au départ, je vais le voir pour savoir si ça craint un petit peu ce coin-là, si ça risque rien. Il me dit non, vous inquiète pas. Puis on a parlé un petit peu, c'était sympa. Super content de mes rencontres, super content de ma journée. Je croise les doigts pour que la fin de la semaine passe plutôt pas mal. À demain. Bonjour à toi, peuple de Normandie et d'ailleurs. Nous sommes mardi matin, il est 6h10, je pars. Un peu en avance, certes, normalement j'ai rendez-vous à 9h, mais là je vais essayer d'y être pour 8h. C'est comme hier, hein, je vais faire un petit coup de bluff, un petit coup de poker pour voir si ça passe. Hier c'est passé, on va voir ce que ça donne aujourd'hui, on croise les doigts. Et si ce qu'on m'a dit hier se confirme, je peux avoir quelque chose de plutôt sympa en tour juste après ça. Parce que là c'est à côté de Bayeux, c'est même plus. C'est quoi le petit patelin? Je sais même plus. Pas loin de Bayeux, croisons les doigts. On va commencer avec un petit plan sur le pont de Normandie. Mon pont, monsieur Normandie, le pont de Normandie. Merci pour l'hommage, hein, les architectes. Hein. Faut l'avouer, c'est cool. Petit contretemps malheureux. J'ai bien fait de venir à 8h parce que là il est 9h30 et on a enlevé 4 palettes. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rampe. Donc jusque là tout est normal. C'est la première fois qu'elle est utilisée d'ailleurs. Et on a enlevé donc les 4 palettes qu'il y avait juste à l'arrière. Alors pourquoi? Parce que le Fenwick ne passe pas dans le container. Le container c'est un container 20 dry. C'est pas un high cube, un haut. Donc ça passe pas. Et puis ils avaient un autre engin, sauf que l'autre engin il est en réparation actuellement. Donc je les cumule. C'est pas grave, tout va bien. Parce qu'il y a plein de trucs ici. Il y a des grands palmiers, des petits oliviers, des petits palmiers, des petits poissons. Puis là j'ai mon café qui arrive. Bon bah on poirote, comme d'hab. Hein. Ouh.
fou. Eh ben nom de Dieu, pas loin de 3 heures pour décharger. Bon après c'était la première fois qu'ils avaient un conteneur à décharger, ils avaient pas le matériel, bon il y avait la technique, tu voyais que les gars étaient assez débrouillards. Mais de passer à l'autre jour chez un client qui avait une grande rampe, ça a mis une demi-heure à décharger, à là presque 3 heures. Bon, fallait bien une première fois un conteneur pour ces clients là, et bon bah c'est sur moi que c'est tombé. Bon c'est pas de peau, c'est pas de peau. Pourquoi j'ai pas de peau comme ça? En plus normalement, là je sais pas, j'attends des nouvelles. Je devrais avoir un grand tour, sauf que bah vu qu'il y a un décalage d'heure maintenant, est-ce que je vais garder mon grand tour? C'en était pas une de blague. Ils allaient mettre un dongfang. Moi je les aime pas parce qu'ils sont moches. La couleur j'aime pas, le vert passé moche j'aime pas. Puis pour plaisanter je dis bah mets moi le APAG tout neuf qui est là plutôt. On rigole. Bref. Et coup de chance, les portes ne fermaient pas parce que la boîte était trop pourrie. Non, on va dire qu'il avait beaucoup vécu. On me change la boîte. J'espère avoir un beau APAG Lloyd orange tout neuf qui était juste à côté. Non, ils vont me chercher un vieux machin plus loin. Mais il y avait un orange pétant fluo limite. Ah bah non. Quelle honte. Quelle honte. Quelle indignité. Mais oui, je vous ai pas dit en plus. Je vous ai pas dit. C'est... Puisque j'ai eu mon conteneur, j'ai forcément eu ma destination. J'ai fait un Soultz. Soultz dans le Haut-Rhin. Voir le fameux papa. Papa Soultz. M'en fous, je suis immunisé à la honte. Alors les blagues peuvent être aussi pourries que possible. Immunisé à la honte. Oh, bah 20h45, bonne journée. Plutôt une bonne journée, ouais, au niveau horaire. J'ai encore 5 heures de route avant d'arriver pour demain à ma destination. Et ce soir, en fait, je me suis arrêté à un endroit que j'aime bien. Je vais vous montrer ça, c'est plutôt joli. Bah sur ce, à demain. Bah nuit. Ah, l'ombre de la caméra, mais c'est... Ah, c'est pénible, hein. C'est incroyable. Messieurs, dames, bonjour. 5h40 du matin, à peine. Je décolle dans 6 minutes pour avoir mes 9 heures de coupure. Et je vais être en retard chez mon client. Il me faut à peu près 5 heures pour y aller. Donc 5 heures plus 45 minutes, j'ai rendez-vous à 10 heures. Donc 2 heures de retard. Et les 2 heures de retard, c'est les fameuses 2 heures de plus que j'ai passé hier chez le client pour décharger les cailloux. Je supporte pas le retard! J'aime pas quand les gens sont en retard et je supporte encore moins quand moi je suis en retard. Et là, c'est pas de ma faute. Ça fait du bien de râler de bon matin, ça permet de se motiver pour le restant de la journée. Bon, ça c'est plutôt marrant parce que je pars au fin fond de l'est de la France. Le gars a dû mettre peut-être 10 minutes à me charger. Incroyable. Je vois un gars qui me regarde. Ah, monsieur Normandie. Faut que je vienne dans le fin fond de la France pour trouver un abonné. J'ai oublié de prendre mon portefeuille et il m'a payé le café. Avec une touillette. Encore un petit moment de bonheur à partager autour d'un petit café. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je finisse ma coupure, moi. Bah ça fait plaisir, genre de tour, parce que l'autre jour j'étais à Pau, donc tout au sud. Là, je vais tout à l'est. Je peux commencer à dire, je fais à peu près toute la France. J'irais pas dire, oui, je fais toute la France, alors qu'en fait, je fais que la Normandie et la Bretagne. Ça serait mentir. Ha 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 ha
Lundi matin, ouais, je suis même pas coiffé la barbe. C'est bien, bravo. Il est 6h, je décolle juste à l'instant à la fraîche, il fait 16 degrés. Hier soir, j'ai douillé, hein. Pas de clim de nuit, pas du tout d'air à l'extérieur. Il y avait de l'air, sinon les oiseaux, ils tomberaient. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Oh, un radar, attention, commençons bien la journée. Direction terminal de l'Atlantique, poser cette petite boîte-là, et après, surprise, on verra bien ce qui se passe. Optimisation au top. Je fais ma coupure, pendant ma coupure je réponds aux commentaires, pratiquement tous. Entre deux je finis mes papiers pour ma prime rénov. Et bien dès qu'elle est terminée, parce qu'elle se termine, parce que je reçois un texto, un message de mon affréteur pour ma prochaine livraison, j'ai un gros coup de klaxon, un abonné qui me passe à côté, on s'arrête, on papote vraiment pas longtemps, je suis désolé parce que j'ai vraiment pas le temps. Petit selfie, là, hop. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi j'aime bien. Monseigneur va commencer à connaître la route, il pourrait presque y aller les yeux fermés. Dis donc, coucouille, en parlant des yeux, peut-être te les crever. J'arrive au bout de la file de TNMSC. Et là, il y a maintenant, en fait, à TNMSC, au bout, avant de te faire rentrer, bah, il vérifie si t'as bien rendez-vous. Donc là, c'était un petit jeune en plein cagnard. Oh, le pauvre. Et je te jure, il m'a fait mal au cœur. Il était en train de vérifier les numéros de rendez-vous. J'ai pris un Red Bull qui était bien frais. Il était heureux comme tout. Ça coûte rien, une canette. Docker ou pas? On s'en fout. C'est quelqu'un. C'est pas soit docker, soit routier. C'est une personne. Un humain. Mon Dieu. Bon, on va terminer la vidéo ici pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, encore demain, vous inquiétez pas. Ouh. Oui, j'ai pris un petit brin de toilette. Ça va sécher avec la chaleur. Ah, bon, bah demain, Montargis. Enfin, loin sur machin, là. Sur Yvette, ou j'en sais rien. Pff, encore. C'est pas grave. C'est le week-end après. Bon, comme d'hab, manger, dodo. À demain. 7h30, vendredi. On commence. 7h30, c'est la grâce, mat, pour le dire. Je sais pas à quelle heure je me suis arrêté hier soir. J'ai senti qu'il y avait une bonne grosse pause là. Aujourd'hui, donc vendredi, il va faire très chaud apparemment, mais très chaud. On va essayer de gérer ça. La nuit, elle s'est bien passée, mais je l'ai commencé un peu tard pour attendre le frais. J'allais être sur loin. Ouh. Lundi, je reviens au même endroit.
soi-disant très bien accueilli, place 23, chez les gueux encore. Bon, 23, Michael Jordan, bon ça... Ouais. Non ? Non, c'est chez les gueux ! Les gueux, c'est des gueux. Non. Non. Oui ! Finis bien la semaine, j'étais rencardé parce qu'il y a un beau camion qui m'attend là. Je vais vous en faire profiter comme d'habitude quand je vois un beau camion. Oh, il est magnifique. Allez, je me tais, je vous montre ça tout de suite. Ah, il a la banane. Oh, il a la banane. Pourquoi qu'il a la banane? Je viens de faire des belles rencontres. Jack Glasson 76, Alex, qui a le très beau camion donc, que je viens de vous présenter, et Pauline, super gentille, super sympa. Et bien sûr, l'invité mystère. Donc une semaine qui se termine parfaitement bien. Socialement parlant, impeccable. Camionnellement parlant, nickel. Et puis avec le temps, on met un 3 parce qu'il fait chaud et beau, mais c'est un poil trop chaud quand même là. La canicule, c'est chaud hein. La canicule, c'est chaud. Oula, on prend un trait d'esprit. Ouf. C'est dingue cette chaleur. Oui, ça a une piscine des Parisiens, c'est bien. M'en fous, j'ai plus grand terrain. Chier. Je vous emmenais dans le fin fond de la propriété. Et pas plus au fond, parce qu'après, c'est encore j'ai des voisins à côté. Et en fait, il y a ce bâtiment-là. Alors, ce bâtiment-là, que j'ai pas encore exploré. Enfin, j'ai dû y aller quand j'étais petit, un tout petit peu, une fois ou deux quand j'étais adolescent. Et pas dans toutes les pièces encore. Et l'étage, j'ai jamais mis les pieds. Donc ça, c'est à explorer encore. Donc je pense qu'il y a plein de trésors encore à l'intérieur. Enfin, quand je dis des trésors, c'est des trésors niveau souvenir, niveau relique, on va dire. Mais c'est pas... Il n'y a rien de valeur. Oh, il a facile 200 ans. Facilement, ouais. Bon, bien sûr, les tôles ne datent pas d'il y a 200 ans. Je crois qu'elles ont été rajoutées par mon grand-père pour protéger le bâtiment, ce qui tient plutôt bien. Il y a eu 2-3 trucs qui ont été refaits. Bah, comme vous voyez, là, il y a une petite partie en brique. Alors ça, c'était une porte. Ça dépendait. Parce que des fois, ils mettaient soit des moutons, soit des cochons. Et ils passaient par là. Ah, il y a un restant d'outils d'accrocher. Alors, tout n'est pas rassurant ici. J'hésitais à faire tomber le bâtiment pour récupérer des matériaux, genre la charpente, tout genre de choses. Et j'hésite vraiment à le faire tomber parce que il me semble que dedans, il y a un couple de chouettes qui nichent. Alors, pauvre bête, ça m'embêterait. Et là, j'ai plein de beaux ballots que mon voisin abonné agriculteur, ami de la famille depuis longue date, a fait. Mais j'ai oublié de lui dire qu'il y avait cette partie-là à faire. C'est ballot, hein ? Ballot. Ballot. <C'est... rire> La bonne blague, ça. Enfin voilà, j'étais content de vous emmener avec moi pour ce petit tour de la maison. Et puis je vais vous souhaiter une excellente semaine, en espérant que vous n'ayez pas trop chaud. Même pour vous les Bretons, je sais que c'est dur, mais buvez de l'eau quand il fait chaud. Après on dit que Mathieu c'est un salaud avec les Bretons. Hein ? Allez, bonne semaine, gros bisous.